à la tombée. Non, on n'y est pas. Alors attention, Saran qui se rapproche. Non, heureusement, heureusement. Quelle occasion, pour le numéro 10 de Saran. Voilà, là, là, on est trop. Ouais, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va tenter d'où il est, à part l'envoyer dans les nuages. Mais voilà, elle a inquiété tout le monde. On la revoit, cette frappe, première intention. Je pense qu'il a vu Pagilet un peu avancé. Il a vraiment mis la steak, hein. C'est pour ça que j'ai cru qu'elle allait partir dans les nuages. Et là, il était battu. Il était loin du ballon. Là, Jordan, là, en un contre un, là, contre son adversaire direct, il arrive à le déborder. Attention, le centre en retrait. C'est sauvé de... Oh, la reprise de Jaff. Ouais, t'es cadré. Oh, là, c'est sauvé sur la ligne. Super, par un défenseur central. Reprise de Jaff. Totalement cadré. On va la revoir, là. Là, on voit... Son pied gauche. Il est bien lancé, là, il apprend... Il apprend coup de pied, là, et on voit le défenseur de Saran. Qui était là, qui dégage ce ballon, c'était une extrémiste, mais ça faisait... Le gardien était dessus, mais elle était quand même cadrée, c'était... Voilà. Une belle opportunité pour l'UC, là. Le geste. Il rentre sur le terrain, à part suivre... Allez, ton pied gauche. Ouais. Il a joué le centre en lui, là, de Jaffa. Et là, il permet de frapper, et hop, 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 c'est le but pour l'UC. Le premier but de l'UC. L'UC qui a réussi à faire le dos rond. Lucé qui a réussi à faire le dos rond pendant ces quelques minutes difficiles. Et là, on voit la remise parfaitement ajustée en retrait sur point de pénalty. Et Diaf, tout seul, libre de tout marquage, a tout le temps, même de faire son crochet, pour effacer le défenseur, crochet pied droit et frappe pied gauche. Une bonne frappe limpide, imparable pour le gardien. Là, on l'a bien vu, il a crocheté, il a frappé. Et tout de suite, ça a fait mouche. Alors, juste avant de reprendre la deuxième période, qu'est-ce que tu as dit aux joueurs Hakim dans les vestiaires ? De rester concentré, de rester rigoureux, d'être vraiment patient. Parce que on le sait, enfin, c'est un équipe assez jeune, tout ça. Donc, qui nous propose des choses très intéressantes au jeu. On voit que ça va jouer au foot. Donc, il va falloir être très, très concentré et très concerné. Et ne pas se faire endormir. Voilà. Ok, bon match. Pour l'instant, l'équipe est en place. Sur aucune des lignes, on a l'impression que nous avons un maillon faible. La bonne récupération de Brahim Touré là qui va en passe à face. Mais ça c'est gâché. Ouais, c'est mais gâché. J'ai pas compris, il a voulu peut-être la piquer. Ouais, j'ai pas compris, c'était pas vraiment une frappe là ce qu'il a fait. Il est pas dans. Là, on va revoir les images. Là, il sent bien le coup, il récupère le ballon. Là, on a le 5 qui revient, qui est quand même... Il est passé, il a passé le bras. Là, il faut qu'il essaye de chercher une frappe croisée, deuxième poteau. Et là, il essaye de piquer un ballon, mais on sait pas trop pourquoi. Voilà. Allez, on est reparti côté Saran. Récupération côté de Jaff. Là, il va frapper. Bien joué. Oh, l'arrêt. Les deux, tout était bon. Mais à mon sens, Jaff aurait pu essayer de trouver Brahim en relais. En une, deux, il lui remet dans la course et là peut-être qu'on aurait pu assister à un autre sort, mais en tout cas l'enchaînement est bon, le crochet extérieur. Une petite touche pour se l'emmener. Et là il décoche la frappe, le bon équilibre visé sur Dani, mais ouais, finalement c'est Aziz qui sort. Alors on est à la retombée, est-ce qu'on est arrivé à la mettre en retrait pour Romain ? Ouh la barre de Romain ! La barre de Romain. Oh là là, Jaff encore là. C'est pas fini. Oh là là, corner. Oh là là, quelle opportunité pour l'UC. Est-ce qu'on peut revoir cette frappe de Alors, Romain là, oh là. Romain, il a demande. On voit bien ses mains. Il appelle entrée. Et là, pied gauche. L'équilibre est bon. Tout est bon dans la frappe. Il trouve un bel angle. Le gardien était battu. C'est dommage. La barre. Pas de chance. Mais attention encore. On a des opportunités et on n'arrive pas à les mettre au fond. Surtout les coups de pied arrêtés, mais là ça va vite devant. Attention pour Sarossi, il arrive à la mettre. Attention, oulala, il est pas en jeu. Ça fait un 2 contre 1. Retour de Mali. Quelle occasion pour le numéro 7. Si il voit son partenaire, le numéro 8 là-bas, là, et qu'il lui glisse, attention, ça aurait pu faire but. Et ben moi qui disais que Dani il était fatigué, s'il était pas là. Là, c'était le but d'Ali et son super retour qui
qui a totalement gêné la frappe de l'attaquant. Mais attention au gardien, là il sort un peu, c'est un peu une sortie hasardeuse, on sait pas trop, est-ce qu'il y va, est-ce qu'il y va pas.